The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Chaland. Donc comme vous avez pu le voir en intro, on va tester un petit jeu qui me tient à cœur, qui est sorti le 21 septembre 2021, donc il y a quelques temps, parce que là on est fin janvier. Donc en attendant le Horizon Forbidden West et puis le Grand Turismo 7 et tous les Daylight qui vont sortir dans peu de temps. Donc c'est un jeu qui me tient à cœur, pourquoi? Parce qu'on l'a récupéré d'occasion, figurez-vous, il est à 39€ en boîte. C'est un jeu qui est sorti à 39,99€ en téléchargement au moins un mois avant la sortie en boîte. Donc forcément, heureusement ils ont sorti une boîte, parce que c'est un jeu qui mérite le détour. Donc c'est un jeu malheureusement qui est relativement court. Vous verrez, on en discutera après. Mais graphiquement, les amis, c'est du niveau d'un Ratchet & Clank. Le Ratchet & Clank était déjà énorme. Je pense qu'on le testera avec un de mes stagiaires, si tout va bien, en bac pro commerce, qui doit venir au magasin normalement dans quelques temps. Donc il y a Tiffen qui va venir cette semaine, et malheureusement qui est malade, qui est atteinte Covid, qui est malade. Pas vraiment malade, mais elle a Covid, donc restriction. Elle est obligée de rester confinée chez elle. Donc on le fera peut-être avec elle plus tard, ou avec un autre stagiaire s'ils le veulent. Et puis je voulais juste vous faire découvrir ce petit jeu sympathique, vous allez voir, très très agréable à jouer, même si les courses, c'est du bonheur à jouer. À pas louper, pour moi, l'un des meilleurs titres sur cette console. Voilà, allez, c'est parti, un petit test rapide. Alors je vous cache pas que je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas du tout essayé. D'habitude en amont, on l'essaye pour mieux en profiter. Donc Humber Lab, c'est les créateurs du jeu, ils l'ont sorti sur PC, sur PS4 et sur PS5. Allez, on va faire une nouvelle partie, un mode histoire, donc c'est beaucoup plus facile à jouer, c'est pour profiter un peu de l'univers du jeu, mais sans trop se fatiguer. Donc faut délivrer des petites bestioles, des rottes qui peuvent vous aider tout au long. Waouh, ah oui, graphiquement c'est magnifique. Hein. Oh purée les amis, je sais pas si vous arrivez à voir ça à l'écran, mais... Waouh. Alors il paraît que les paysages sont magnifiques, il paraît que graphiquement parlant on peut rester scotché sur l'environnement. Ah ouais en effet ouais. Bon là vous avez un écran 4K forcément, mais je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais graphiquement c'est pas dégueu, même si c'est un InSense, l'écran est pas super qualité. Après vous pouvez prendre du Pioneer, du Samsung ou du Sony, peu importe de toute façon. Alors une impulsion avec L1. Ah ouais, alors déjà au niveau maniabilité, au niveau gameplay, c'est très très facile à manipuler. Graphiquement, oh, bon. C'est magnifique. Oh, ça n'a rien envie à un Ratchet & Clank. Hein. Oh, ah ouais, franchement. Donc j'ai un très bon ami qui l'a fini, qui me l'a ramené. Un petit merci à Thomas d'ailleurs. On a pu le garder. Donc je vais attendre d'avoir des bons jeux d'occasion pour pouvoir vous les tester. Mais c'est vrai que graphiquement... c'est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un bouclier, ok, c'est plutôt pas mal. Alors, il paraît que le jeu est un peu dirigiste. Non, ça me fait penser un peu Zelda Breath of the Wild sur la petite grotte magique avec R2. Ah, on peut frapper, ok. R1, une petite frappe, et là c'est une frappe lourde, ok. Là c'est un bouclier, ok. Alors effectivement, c'est un petit didacticiel qui vous apprend à manier le personnage. Donc voilà. Appuyer sur R1 pour une attaque légère, R2 pour une attaque classique. Est-ce qu'on peut le cibler? Oui, avec R3 vous pouvez le cibler. On va faire une petite attaque légère. Ouais, donc ça joue que c'est un action RPG, hein, ça joue comme un Zelda. Graphiquement, c'est magnifique. Donc vous avez la possibilité de vous protéger, mais vous ne pouvez pas bouger. Et quand votre attaque est assez puissante, apparemment,
L'adversaire ne peut rien faire. Esquiver avec rond. Allez, vas-y, attaque-moi. Là, merci. Ouf, ah, wow, wow, ça fait mal. C'est parti, concentre. Voilà. Petits applaudissements. Ok, donc la stèle d'activation pour pouvoir ouvrir le portail principal. J'aurais bien pouvoir naviguer à l'extérieur du jeu. Oh, il n'y a pas de défaut, hein. Graphiquement, c'est pour. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors pour le moment, c'est très très sombre. Je sais qu'on va pouvoir sortir. Ah, voilà. Donc c'est vrai que le début du jeu me fait penser à Zelda Breath of the Wild. Franchement, bon, graphiquement, c'est un ton au-dessus, hein. Largement. Hein. Oh, petit studio. Ah ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Une petite rencontre avec des esprits, sympa. Et deux pour interagir avec la fine terrotte. Ok. Récupérer. Ça permet peut-être de récupérer un rot. Voilà, ces petites bestioles qui vont vous aider donc tout au long du jeu pour transporter des pierres, pouvoir résoudre des énigmes avec vous. Et vous êtes, et faut en délivrer certains, faut les libérer. Donc c'est super mignon, super sympa. Pas de violence, pas de vulgarité. Enfin, pas de violence parce que vous tuez des ennemis, puis il y a des boss à chaque fin de niveau. Et même les boss sont très compliqués à tuer. Franchement, ils sont très très compliqués. Bon, pas évident. Oh, il a l'air tout triste. Excellent. Une belle découverte. Une belle découverte ce jeu. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà ce que ça peut donner, notre ami Kena, Bridge of Spirit. Je vous laisse une petite vidéo à la fin de mon petit bye-bye, parce qu'il va falloir que j'ouvre le magasin. Il est 14h. Donc c'était le test à la rage du midi. Donc un jeu à faire, Kena, Bridge of Spirit, n'oubliez pas. Donc un jeu à 49,99€, donc 49€ dans les magasins spécialisés en boîte. Et vous pouvez le trouver à 39€ en échange. Ça commence déjà dans les magasins de jeux vidéo spécialisés, surtout les Dynamic Games, qui se portent plutôt pas mal, parce qu'on est des passionnés. Donc on reste tout le temps aux actualités, on respecte les actualités et on va vous conseiller au mieux pour que vous puissiez trouver un jeu qui vous plaît. Donc voilà, donc toujours pour 4€, vous pouvez l'avoir si vous nous ramenez un jeu de la même valeur. Donc voilà, bah, un jeu à découvrir et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test, les amis. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.